Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h45 pratiquement, heure locale, heure de Paris. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre présence, merci pour vos prières. Et nous sommes vraiment dans la joie de savoir que le Seigneur fait son œuvre et que beaucoup de personnes sont délivrées, guéries, restaurées. Des âmes sont libérées et le royaume du Seigneur se remplit de plus en plus de jeunes, notamment, qui se tournent vers le Seigneur. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Père, au nom de Yeshua, nous te prions. Seigneur, ce soir, nous te confions nos cœurs encore, nous te confions cette émission. Nous voulons te voir élevé, Seigneur, élevé à jamais. Merci encore pour cette belle journée de la jeunesse que nous avons vécue, que nous avons, Seigneur, eu à vivre, Seigneur. Merci pour tous ces jeunes hommes et femmes que tu touches. Toute la gloire te revienne, Père. Merci pour tes enfants qui sont connectés ce soir. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël, Dieu des armées. Amen. Bonsoir tout le monde. Dieu est bon. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons prendre la parole. Nous sommes sur le retour de Yeshua. Dans Ésaïe chapitre 35. Est-ce que même si tu n'as pas une Bible en anglais, Karine, est-ce que tu peux quand même essayer de... Ou c'est difficile? Tu peux essayer, hein? Alléluia, que le Seigneur soit béni. Parce que je pense que les frères et sœurs anglophones ont de plus en plus ont besoin d'entendre ce message. English speakers, brothers need to hear this message. Et nous bénissons le Seigneur pour la soif que vous avez. We bless the Lord for the thirst that you have. Et nous sommes... convaincu que notre génération est celle qui verra le retour du Seigneur. And we are convinced that our generation will see the return of the Lord. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, and when we see what's going on in the world, quand on voit ce qui se passe dans les églises, when we see what is going on in our churches, quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, when we see what is going on in East Europe, nous ne pouvons qu'admettre et reconnaître que le Seigneur est en train de revenir. We can only admit that the Lord is coming back. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 35. We will take the book of Isaiah chapter 35. Nous lisons à partir du verset premier. From the first verse. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà, la parole est claire. The word is clear. Prenez courage. Be strengthened. Ne craignez point. Do not fear. Voici votre Dieu. Here is your God. Celui qui doit venir. The one who has to come. Yeshua. Jesus. Est présenté comme notre Dieu. Is presented like our God. Frères, sœurs. Brethren. Les Écritures nous annoncent qu'il y a un seul Dieu. The word is telling us that there is only one God. On nous parle ici du désert. We are told about the desert. Des pays arides. Countries. Alléluia. Et on nous dit que, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur sera révélée. We are told that the glory of God will be revealed. Et nous sommes dans une génération où les vrais chrétiens attendent, n'est-ce pas, le retour du Mashiach. We are in a generation where the true Christians are waiting for the return of the Messiah. Nous sommes fatigués. We are tired. De l'état de nos églises actuelles. Of the state of our actual churches. Nous sommes fatigués. We are tired. Des problèmes que rencontre le monde, la terre. The issues that the world is meeting right des now. Des problèmes économiques. Economic issues. Problèmes politiques. Political issues. Problèmes climatiques. Climatic issues. Et tous ces problèmes. And all these issues. Nous attestent. Are showing us. Que Yeshua revient. That Jesus Christ is coming back. Ésaïe, prophète de l'Éternel. Isaiah, the prophet of the Lord. Au 8e siècle avant Jésus-Christ. The 8th century before Jesus Christ. A prophétisé. Prophesied.
a donné cette parole prophétique gave this word aux hommes qui attendaient le retour du la venue du Mashiach. To men who were waiting for the return of the Messiah. Il leur demande d'être affermis. And he asked them to be strengthened. D'être fortifiés. To be strong. Il dit prenez courage. And he say be courage. Voici votre Dieu. Here is your God. Frères, sœurs. Brethren. Il y a un seul Dieu. There is only one God. Même s'il y a des êtres qui veulent se présenter comme étant des dieux. Even if there are many beings that want to present themselves like gods. Mais pour nous, but for us, il n'y a qu'un seul Dieu. There is only one God. Et on nous dit ici and we are told here que Dieu lui-même viendra. That God himself will come. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. It is not someone else. Esaïe nous dit, Isaiah tells us, il viendra lui-même. He will come himself. Et vous sauvera. And he will save you. Donc celui qui vient, so it means the one who comes, c'est pour nous sauver. It is to save us. Qu'il vient. He's coming us to il save va juger us. Nos ennemis. He will judge our enemies. Et il va nous sauver. And he will save nous us. Qui l'attendons. As who are waiting for him. Et écoutez bien. And listen carefully. Esaïe dit, Isaiah says qu'il viendra lui-même. That he will come himself. Donc Dieu it means that God n'enverra pas quelqu'un d'autre will not send someone else pour nous sauver. To save us. Lui-même viendra. He himself will come. Et celui qui vient, and the one who comes, ce Dieu it is God, porte un nom. Has a name. Son nom, his name, c'est Jésus. It is Jesus. Alléluia. Praise God. Regardez Esaïe 40. Look at the book of Isaiah 40. La parole de Dieu est digne de confiance. The word of God is trustful. Nous sommes dans Esaïe chapitre 40, verset 10. Isaiah 40, verse 10. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Est-ce que tu peux le traduire ça en anglais ou c'est difficile? Oui. Alléluia. Here comes the Lord Jesus with his mighty. Alléluia. Praise God. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. The Lord is coming with his mighty. On nous dit ici, we are told here, celui qui vient, the one who comes, c'est le Seigneur. It is the Lord. En hébreu, c'est Adonai. In Hebrew, we call him Adonai. On nous dit que c'est Adonai qui vient. We are told that it is Adonai who is coming. Et dans Esaïe 35, on a vu and we saw that in the book of que Isaiah, c'est Dieu lui-même qui vient. That it is God himself c'est who comes. Lui-même Elohim, he is the Elohim qui vient. Who is coming. Donc Esaïe 35, Isaiah 35 dit que c'est Elohim qui vient. Say that it is Elohim who is et coming. Dans Esaïe 40, and in here in Isaiah 40, il dit c'est Adonai qui vient. We are told that it is Adonai who is et coming. Et aussi en même temps, l'Éternel qui vient. And at the same time, the Lord who is Yahweh coming. Yahweh qui vient. Who is coming. Donc celui qui vient. So it means that the one who is est coming. Appelé. It is called Adonai. He is called Adonai. Seigneur. Lord. Dieu. God. Elohim. Elohim. Et mes amis, n'est-ce pas l'Éternel? And also my friends. Yahweh. Lord, Yahweh. Donc c'est lui-même qui vient. It means that he himself is coming. Frères, sœurs, écoutez bien la parole. Brethren, listen carefully the word. On n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un d'autre. We're not told that he will send someone else. On n'a pas dit qu'il va envoyer un prophète. We're not told that he will send a prophet. Qu'il va envoyer un apôtre. He will send an apostle. C'est lui-même qui vient. He himself is coming. Alléluia. Praise God. La parole ne peut pas nous mentir. The word cannot lie to us. Et on dit bien ici, hein, and we are told here, voici le Seigneur l'Éternel vient. Here the Lord God is coming. Il vient comment? How is he coming? Avec puissance. With mighty. Il vient avec puissance. He is coming with mighty. Avec autorité. With authority. Je me répète encore. I want to repeat again. Celui qui vient, the one who comes, est appelé is called Dieu. God. Elohim. Elohim. Il est appelé Adonai. He is called Adonai. Le Seigneur. The Lord. Il est appelé aussi l'Éternel. He is also called Yahweh. The Lord Yahweh. C'est lui-même Yahweh qui vient. He is the one who is coming, Yahweh. Avec puissance. With mighty. Nous sommes d'accord avec ce que tu écris. We agree with the word. Nous sommes d'accord avec la parole de Dieu. We agree with the word que of God. C'est Dieu lui-même qui vient. It is God himself who is coming. Alléluia. Praise God. Nous continuons à évoluer. We continue. Vous allez réaliser que c'est Dieu lui-même qui vient. You will realize that it is God himself who is coming. Pour nous sauver. To save us. Nous sommes dans Zacharie. We're in the book of Zechariah. Chapitre 14. Chapter 14. Seigneur, merci pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Nous sommes dans Zacharie 14, verset 1er. Zechariah 14, verse 1. Voici le jour de Yahweh arrive. Here comes the day of the Lord. Alléluia. Praise God. Et la parole nous dit au verset 3. And you are told in the verse 3. Yahweh paraîtra. The Lord will appear. Yahweh paraîtra. The Lord will appear, Yahweh. Et il combattra ces nations. And he will fight these nations. Et au verset 4. And verse 4. On nous dit ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. He will put his feet on the Mount of Olives. Celui qui vient. The one who comes. Et Yahweh. Is Yahweh. Lui-même. Himself. Et on nous dit. And we are told. Que ses pieds. That his feet. Vont se poser sur le Mont des Oliviers. Will be on the Mount Olives. Donc Yahweh. It means that Yahweh. A des pieds. Has some feet. Alléluia.
Praise God. Et c'est lui-même qui vient. And he himself is coming. Et au verset 9, and in the verse 9, on nous dit Yahweh, we are told that Yahweh sera roi de toute la terre. He will be the king of the whole world. Et on apprend and we are told que Yahweh qui vient that Yahweh who is coming est aussi roi. He is also king. Roi sur toute la terre. King of kings of all the world. Frères et sœurs. Brethren. Mais qui est celui qui vient? Who is the one who is coming? Eh bien, c'est Yahweh. It is Yahweh. Mais qui est celui qui vient? But who is the one who is coming? C'est le roi des rois. It is the king of kings. Mais ce qu'on nous dit qu'il sera roi sur toute la terre. But we are told that he will be the king of all the world. Il n'y a pas d'autre roi que ce roi-là. There is no other king than him. Et regardez ce que Apocalypse 19 nous dit. And look what Revelation 19 tells us. On nous dit qu'il y a Yahweh qui vient. We are told that Yahweh who is coming est roi de toute la terre. He is king of all the world. Oh Dieu, tu es grand. Lord, you're great. Oh Dieu, tu es tout puissant. You are mighty. Il est dit au verset, n'est-ce pas, et 16. We are told in the verse 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. He had on his garment and his leg a name written. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. King of kings and Lord of lords. Mais qui est celui qui est appelé roi des rois et Seigneur des seigneurs? But who is the one called King of kings and Lord of lords? Verset 11. Verse 11. Puis je vis le ciel ouvert. Then I saw the sky opening up. Et voici, and then, parut un cheval blanc. I saw a white horse. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. The one who climbed it is faithful and true. Il juge et combat avec justice. He judges and fights with justice. Et la parole nous dit, and the world tells us, au verset 13, verse 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. And he had a cloth with blood. Son nom est la parole de Dieu. His name is the word of God. Hallelujah. Praise God. Celui qui vient, the one who is coming, est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. He's called King of Kings and Lord of Lords. Donc si l'Éternel, so it means that Lord, est roi de toute la terre, if he is the king of all the world, donc il n'y a pas un autre roi au-dessus de lui. It means that there's no other king upon donc, him, ce, above him. Cet éternel, so it means that this Lord n'est rien d'autre is que celui qui est présenté ici. Simply the one who is presented here. Celui qui est appelé fidèle et véritable. The one who is called faithful and true. Son nom. His name est la parole de Dieu. Is the word of God. Et c'est lui l'Éternel. And he is the Lord. Frères, sœurs. Brethren. Hallelujah. Praise God. Quel est son nom? What is his name? On va le voir, frères et sœurs. We will see. Nous sommes en train d'évoluer. We are going forward. Pour vous présenter le Dieu véritable qui vient. To present you the true God who is coming back. Voici votre Dieu. Here is your God. Hallelujah. Praise God. Nous sommes dans Apocalypse. We are in the book of Revelation. Chapitre 1er. The first chapter. Nous lisons, mes amis, la parole. We are reading the word of God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Praise God. Verset 7. Verse 7. Voici, here, il vient avec les nuées. He is coming with his clouds. Isaïe dit, il vient. Isaiah says that he is coming. Apocalypse ici dit aussi, il vient. And here Revelation as well says mais that he is coming. Vient? But who is the one on who is coming? Ceci. We are told that. Et tout œil le verra. All the eyes shall see him. Même ceux qui l'ont percé. Even those who pierced him. On nous dit que Yahweh. We are told that Yahweh a été percé. Has been transported. Hallelujah. Praise God. Yahweh a été percé. Praise God. Yahweh a été percé. God has been first. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. And all the tribes of the world will cry because of him. Mes amis, my friends, nous allons dans Zacharie chapitre 12. We are going to Zechariah chapter 12. On nous dit que Yahweh a été percé. We have been told that Yahweh have been first. Et c'est lui qui vient. And he is the one who's coming. Zacharie chapitre 12, frère. Zechariah chapter 12. Nous sommes au verset 10. Verse 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Then I will give on the house of David and Jerusalem a spirit of grace and supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. And they will turn their eyes to me, the one who they pierced. Hallelujah. Praise God. Oh my God. Mon Dieu. Jesus Christ. Jésus-Christ. C'est ça son nom. This is his name. Jésus est Yahweh. Jesus is Yahweh. Yahweh est, Jésus est celui qui vient. Jesus is the one who's coming. Et on nous dit que Yahweh a été percé. And we're told that he has been. Donc il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. There's not two God or three. Ce n'est gods. Pas la Trinité. It is not the Trinity. C'est le seul véritable Dieu. He is the one and real God. Qui est en train de revenir. Who is coming back. Et son nom c'est Jésus and de Nazareth. His name is Jesus Christ of Nazareth. Or Jésus signifie. Jesus means. Yahweh est salut. Yahweh is salvation. Et c'est Yahweh qui a été percé. And he is the one who has been nailed. Et Esaïe, Apocalypse 1:7 nous dit, même ceux qui l'ont percé le verront.
Revelation 1:7 says that the one who nailed him will see him. Et Zacharie 12 nous dit. And here Zechariah 12 tells us. Ceux qui l'ont percé. The one that nailed him. Vont le reconnaître. They will recognize. Ils vont pleurer. They will cry out. Ils vont se repentir. They will repent themselves. Et ils vont l'accepter. And they will accept que him. Que c'est lui le Dieu véritable. That he is the real God. Hallelujah. Praise God. Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Mes amis. My friends. On nous dit. We are told. Que ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers. That his feet will be upon the Mount Olives. Nous sommes dans Actes. In the book of Acts, chapitre 1er, chapter 1, Dieu est trop fort. God is way so strong. Jésus revient, frère. Jesus is coming back, brother. Préparons-nous à son retour. Let's get prepared for his rapture. Acts chapitre 1er. Acts 1. Nous lisons verset 11. Verse 11. Et ils dirent. And they said. Homme galiléen. Galilean man. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Why are you looking up to the sky? Ce Jésus. This Jesus. Ce Jésus. This Jesus. Ce Jésus. This Jesus. Qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. That has been raptured to the sky. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Among you has been will go and come back to the heaven. Alors ils retournèrent à Jérusalem. And then they went back to Jerusalem. De la montagne appelée montagne des Oliviers. To the mount called Olives. Jésus. Jesus est monté au ciel. Went up to heaven. À partir de la montagne des Oliviers. From the Mount Olives. Et les anges ont dit. And the angels said. Il reviendra au même endroit. He will come back to the same place. Et Zacharie nous dit. And Zechariah told ses us. Ses pieds. His feet. Vont se poser sur la montagne des Oliviers. Will be upon the Mount Olives. Donc Jésus est l'Éternel. So it means that Jesus is Jésus the Lord. Jésus est le Tout-Puissant. Jesus is the Mighty. Alléluia. Praise God. Et nous repartons dans Apocalypse. We're going back to the book of Revelation. Chapitre 1er, frère. Chapter 1, brethren. Nous aimons la parole. We love the word of God. Nous sommes amoureux de la parole. We are in love with the word la of God. La parole est la parole. The word and only the word. Alléluia, j'aime l'évangile pur. I love the true gospel. Apocalypse chapitre 1er. Revelation chapter 1. Regardez ce que la parole dit, frère. Look what the Bible. Nous voulons vous présenter le vrai, véritable Dieu. We want to present you the real God. Nous sommes dans Apocalypse. We are in the book of Revelation. Chapitre 1, verset 7 à 8. Verse 1 and 7. Voici, il vient avec les nuées. Here he comes with the clouds. Alléluia. Praise God. Les nuées, ce sont nous autres, frères. The clouds are us. Hébreux 11. Hebrew 11. Hébreux 12. Hebrew 12. Nous dit que nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins, de nuées. It says that we have nuées and. Les nuées, ce sont les saints. Nuées are saints, clouds sommes, are saints. C'est dans les saints dans la gloire. It is in the glory. We la are in dit, the glory. The Bible au verset 8. Verse 8. C'est Jésus qui parle. It is Jesus who is talking. Je suis l'alpha et l'oméga. I am the alpha and omega. Dit le Seigneur Dieu. Say the Lord God. Il se présente comme étant Adonai. He presents himself like Adonai. Et Elohim. And Elohim. Jésus. Jesus. Se présente. Presents himself. Comme Dieu et Elohim. Like God and Elohim. Adonai. Adonai. Comme dans Esaïe, on l'a vu. Same as we saw in the book of Isaiah. Et mes amis, my friends, il se présente aussi comme l'alpha et l'oméga. He presents himself like alpha le and omega. Le premier et le dernier. The first and the last. Et la Bible dit. And the Bible says. On le présente comme il se dit celui qui est. He says the one who is. Celui qui était. The one who was. Et celui qui vient. And the one who is to Je come. Je me pose la question, qui vient? I'm asking you, who is coming? Qui vient? Who is coming, Jesus? Qui vient? Who is coming? Nous attendons qui? Who are we waiting et l'esprit et l'épouse Jesus. Disent the spirit viens. And the spouse say, come. Donc celui qui vient c'est Jésus. So it means that the one who's coming et, is Jesus. Et il se présente comment ici? And how does he present himself le dernier, here? Le dernier, la dernière phrase. What is the last sentence? Le Tout-Puissant. The Almighty. Le Tout-Puissant. The Almighty. Jésus Jesus Christ se présente presents himself comme El Shaddai. Like El Shaddai. Dans Genèse 17. In the book of Genesis 17. Il a dit à Abraham. He told to Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. I am the God Almighty. Sois intègre et marche devant ma face. Be righteous and walk before Alleluia. Me. Amen. Jésus Jesus se présente presents himself comme El Shaddai. Like El Shaddai. Il n'est pas un petit Dieu. He's not a small God. Il n'est pas un Dieu à moitié. He's not a half God. Jésus Dieu Jesus God est notre Père. He's our Father. Le Dieu Tout-Puissant. The Almighty. Ce n'est pas la Trinité. It is not the Trinity. C'est la révélation du Dieu véritable. It is the revelation of the true God. Vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth. Et la vérité vous affranchira, frère. The truth shall set you free. C'est ça l'évangile. This is the gospel. Revenons à la parole. Let's come back to the Revenons word. À l'évangile pur. Let's come to the true gospel. Il se présente. He presents himself. Comme celui qui est. Like the one who was. Frère, écoutez bien. Who is. En hébreu. Listen carefully. In Hebrew. Le passé et le présent n'existaient pas. The past and the present doesn't exist. Il n'y a pas de temps passé et présent. There's no past tense or present. Ça n'existe pas. It doesn't exist. Voilà pourquoi Dieu est le seul. This is why God is the only one. Comme je suis. Who can present himself like I am. En hébreu. In Hebrew. Il n'y a pas de verbe être There's ni avoir. There's no the be.
Être et avoir n'existe pas. Yes, the verb to be doesn't exist. Il y a pas le passé, le présent, ça n'existe pas. There's no past or present, it doesn't Donc, exist. Donc Dieu so it means se présente God comme le je suis. Presents himself like I am. Ce n'est pas le verbe être. It is not the verb I C'est am. C'est son nom. It is his name. C'est son nom. It is his name. Et pourquoi je suis? Why I am. C'est pour nous montrer it's to show us qu'il est celui qui est. Because he is the one who was. Le présent. Present. Celui qui était. The one who was. Le passé. Past, et celui qui vient, the one who is to le come, futur. This is the future. Donc, il veut dire ceci. What does it mean? Le passé, the past, le présent, the presence, et le futur and the future, se trouvent en Jésus. They find themselves in Jesus. Oh, alléluia. Ça veut dire quoi? What does it mean? Jésus Jesus est le seul is the one capable the only one d'aller able te libérer to set you free dans ton passé in your past, par rapport à tes péchés passés. Regarding your sins, il est capable past, he is d'aller able dans ton passé to go in de the past, voyager dans le temps. To travel the time. Il est le seul capable à faire le voyage dans le temps. He is on, the one only who is, can go d'aller to the past, dans ton passé. To go in your past. Là où tes ancêtres t'ont enterré. Where the ancestors buried d'aller you, te libérer. To go and set you des liens familiaux. From familial des liens ancestraux. Il est le seul he is the only capable one who is able de combattre tes ennemis aujourd'hui. To fight your enemies today. Hallelujah. Praise God. Il est le seul he is the only à assurer ton avenir, who can give you a future, à assurer ta retraite, who can give you a future, à assurer ton éternité. Your eternity as well. Tout ça c'est en Jésus. All this you can be found in Jesus alone. Hallelujah. Voilà pourquoi on le présente comme celui qui est. This is why we present himself like the présent. One who is. It is c'est the le present. Présent. The present tense. Il est le même. He is the same Jésus one. Jésus est le même. Jesus is the same. Hier, yesterday, aujourd'hui, today, et éternellement. And forever. Donc, vous voyez bien? You see, Hébreux chapitre 13. Hebrews 13. Verset 8. Verse 8. Nous dit. Tell us. Jésus-Christ. Jesus Christ est le même. Is the same. Hier. Yesterday. Hier, c'est quand? When is yesterday? Avant l'éternité. It means that before the hier, eternity. C'est yesterday. Avant la création. It is before the creation. Hier, yesterday. C'est celui qui était. It is the one who was. Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Alléluia. Praise God. Celui qui est. The one who is. C'est maintenant. It is now. Aujourd'hui. Today. Si vous entendez sa voix. If you hear his voice. N'endurcissez pas vos cœurs. Do not strengthen your heart. Voilà harden your hearts. This is why. Il a dit à un de malfaiteurs. He said to one who of the person who sinned today. Tu seras avec mon paradis. You will be with me il in heaven. Il est celui qui est. He is the one who c'est is. Aujourd'hui. It is today. Il veut te sauver. He wants to save you today. Aujourd'hui. Today. Il veut te guérir. He wants to heal you. Aujourd'hui. Today. Hallelujah. Praise God. Jesus Christ. Non, j'aime la parole. I love the words. Frère, voilà le véritable Dieu. Brethren, this is the true voilà God. Le véritable Seigneur. This is the real Lord. Votre Dieu. Your God. Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Le Dieu tout-puissant. The Almighty le God. Le roi des nations. The King of Nations. Il va régner sur toute la terre. He will reign over all the oh, world. Il a vaincu le diable. He defeated the il devil. Il a vaincu les sorciers. He defeated the sorcerers. Jesus Christ. Alléluia. Oh, j'aime la parole. I love the word. J'aime l'évangile. I love the gospel. Il est celui qui est. The one who is. Celui qui était. The one who was. Celui qui vient. The one who is shall come. Le tout-puissant. The Almighty. Nous comprenons pourquoi. This is why we understand. L'agneau de Dieu. The Lamb of God. A sept cornes. Has seven crowns. Cornes. Seven représente horns. Représente l'autorité. Represent the authority. Le nombre sept. The seven. Nous parle de l'absolu. Seven tells us about the absolute. Donc, Yeshua est le tout-puissant. It means that Jesus is the Almighty. Oh. Le peuple qui connaîtra son Dieu the people that will know his God agira avec fermeté. Will act with fermity. Connaître Dieu est essentiel. To know God is really essential. Nous sommes dans Apocalypse. We are in the book of Revelation. Chapitre 3, mes amis, 4. Chapter 4. Oh, mes amis. My friends. Verset 8. Verse 8. Les quatre êtres vivants the four beings ont chacun six ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Had six wings and has eyes everywhere. Ils ne cessent they don't stop. De dire jour et nuit. He say night and day. Saint. Holy. Saint. Holy. Et Adonai. Is the Lord. Le Adonai, Dieu tout puissant. The God Almighty. Qui était. The one who was. Qui vient. Qui est. He is. Et qui vient. And he is to come. Hallelujah. Amen. Les quatre êtres vivants. There's four beings. Ne cessent de dire they nuit et jour. They don't stop saying Saint. Night and day. Holy. Saint. Holy. Saint. Holy. Et le Dieu tout puissant. The Almighty God. Le Seigneur. The Lord. Qui était. Who was? Ça c'est Jésus. It is Jesus. Qui est? Who is? C'est Jésus. It is Jesus. Qui vient? C'est Jésus. Come is also donc nous Jesus. Apprenons ici so we learn here que les quatre êtres vivants the four beings qui ont des yeux à l'extérieur et à l'intérieur who has their eyes inside ils ont and outside, la connaissance. They have the knowledge. Les yeux sont la connaissance. Eyes is knowledge. Et ils ont connu. And they knew. Ils ont compris they understood que c'est Jésus. That it is Jesus. C'est lui le Tout-Puissant. He is the Almighty. C'est lui qu'on doit adorer. He is the one that car we need seul to worship. Dieu doit être adoré. Because only God must be et ils l'ont adoré. And they praised him. Allons voir là-bas. Let's go. Dans Ésaïe chapitre 6. In the book of Isaiah, frères et sœurs, brethren, nous sommes dans l'évangile. We are in the gospel. Nous voulons vous démontrer
And we want to show you par l'Esprit de Dieu through the Spirit que of God, Jésus est le Dieu qui vient. That Jesus is the God that Jésus is coming. Est le seul Dieu véritable. Jesus is the real God. Alléluia. Praise God. Mes amis, my friends, l'année de la mort du roi Ozias. The year of the Isaiah 6. Isaiah 6. Sorry. Alléluia, j'aime l'évangile. L'année de la mort du roi Ozias. The year of the death of the king Ozias. Je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé. I saw the Lord sitting on his throne, highly Adonai, elevated. Assis sur son trône. He is sitting on his throne, très élevé. Highly c'est elevated. Le seul trône qui est élevé. It is the only throne that is elevated. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. And his robe was filling up the temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Seraphims was upon him. Ils avaient chacun six ailes. And they had six wings. Deux dont ils se couvraient la face. Two that they were hiding their faces. Deux dont ils se couvraient les pieds. Two that they're hiding their feet. Et deux dont ils se servaient pour voler. And two that they're using to fly. Ils criaient l'un à l'autre. And they cried out et disaient, to one another and said, Saint, holy, Saint, holy, Saint, holy, et l'Éternel des armées, is the Lord God. Toute la terre est pleine de sa gloire. All the earth is full of his glory. Vous voyez, frères et sœurs, you see, brothers and sisters, les séraphins, the seraphims, les chérubins ne cessent d'adorer Jésus. Worshiping Jesus. Saint, saint, saint. Holy, holy, holy. Celui qui était. The one who was. Celui qui est. The one who is. Celui qui vient. The one who is car to celui come. Qui vient. Because the one who is to c'est come. Jésus. It is Jesus. Il vient pour nous enlever. He comes to take il us est le up. Dieu véritable. He is the real God. Donc les anges l'adorent. It means that the angels are worshiping him. Seraphim are worshiping saint, him. Saint, saint, saint. Holy, holy, holy. Trois triple saint. Three times holy. Il est saint. He is holy. Comme père. As a father. Il est saint. He is holy. Comme fils. As a son. Alléluia, il est saint comme Saint-Esprit. Holy as the Holy même Spirit. Le Dieu véritable. He is the real God. Frères, sœurs. Brethren. Et son nom c'est Jésus de His Nazareth. His name is Jesus Christ of Nazareth. Oh, j'aime la parole, frère. I love the word of God. J'aime brethren. L'évangile, frères et sœurs. I love the gospel, brethren. Alléluia. Praise nous God. Sommes dans 1 Thessaloniciens. In the book of 1 Thessalonians. L'évangile pur. The real gospel. L'évangile véritable. The real gospel. Alléluia, gloire à Dieu. Praise God. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est trop fort. God is so strong. Alléluia, Dieu de gloire. God of glory. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Wow. Pour ce qui concerne les temps et les moments. Regarding the time and the vous moments. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. You don't need for us to be written car for vous you. Savez bien vous-même que le Seigneur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Because you know really that the Lord, the day of the Lord will come like a robber le in the night time. Seigneur. The day of the Lord. Le jour du Seigneur. The day of the Lord. Quel Seigneur? Which Lord? Il y a un seul Seigneur. There is only one Lord. Jésus Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Le Seigneur de gloire. The Lord of glory. Adonai. Il viendra comme un voleur. He will come like a robber. Il a dit aux apôtres. He told to the apostles. Je reviendrai. I will come back. Je vous prendrai. I will take afin que là où je suis, in order for vous where, y soyez where aussi. I am, you will be as well. Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. C'est lui le véritable Dieu. He is the real God. Ce soir, tonight, j'ai voulu. I wanted. Poussé par l'Esprit, bien sûr. Conducted by the Holy Spirit. Que vous sachiez. For you to know que celui qui vient that the one who is coming est Adonai lui-même. Is Adonai himself. Et son nom, his name, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Is Jesus Christ of Nazareth. Tous ceux qui l'ont percé vont le voir. All that nailed him will see him. Ils le verront. They will see him. Et beaucoup vont se repentir. And many people will repent themselves. Frères, sœurs, brethren, il est tout puissant. He is the Almighty. Vous vous rendez compte, mes amis? Do you realize it, on nous a souvent caché le véritable Dieu. We were hidden the on nous a God. Caché le véritable Dieu. We were hidden the real God. Et les temps sont difficiles. And time are serious. Le Seigneur est en train de revenir, the frères et sœurs. Coming back, brethren. Il est en train de revenir pour nous prendre. He is coming back to take us. Il a dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. He said, in order where I am, you will be with me. Nous sommes dans Apocalypse 15. We're in the book of Revelation 15. Oh, Dieu est grand. Lord is great. Oh, Dieu est magnifique. God is magnificent. Alléluia. Praise God. Verset 3. Verse 3. Ils chantaient le cantique de Moïse. And they were singing the song of Moses. Le serviteur de Dieu. The servant of God. Et le cantique de l'agneau. And the song for the lamb. En disant, saying, tes œuvres sont grandes et admirables. All your deeds are great and Seigneur Dieu tout puissant. Lord Almighty. Tes voix sont justes et véritables. Your ways are righteous and true. Roi des nations. King of nations. Roi des nations. King of nations. Vous rendez compte, frères et sœurs? You realize it. On l'appelle le roi des nations. He is called King et of nations. Et ce roi des nations? Who is this King of Nations? Jésus-Christ de Nazareth. It is Jesus Christ of Nazareth. Alléluia.
Et on nous dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. And we are told that he is the God Almighty. C'est-à-dire Adonai. This means Adonai. Jésus. Jesus se présente. Presents himself. Comme Adonai. Like Adonai. Adonai, notre Seigneur, notre Dieu. Adonai, our God, our Lord. Oh, que Dieu soit béni. May God be blessed. Que Dieu soit glorifié. May God be glorified. Nous sommes dans Apocalypse 21. We are in the book of Revelation 21. Le verset 6. Verse 6. Hein, nous lisons à partir du verset 5 et 6. Verse 5 and 6. Et celui qui était assis sur le trône dit. And the one who is sitting on the throne says. Voici. Here. Je fais, n'est-ce pas? Voici. Verset 5. Voici, je fais toutes choses nouvelles. I'm doing everything new. Et il dit, écris ces paroles. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. And he said, write, because these words are real and true. Et il me dit. And he said to me. Je suis, n'est-ce pas? L'alpha et l'oméga. I am the alpha and omega. Le commencement et la fin. The beginning and the end. Je suis l'alpha et l'oméga. I am the alpha and the omega. Le commencement et la fin. The beginning and the end. Je suis l'alpha et l'oméga. I am the alpha and the omega. Le commencement et la fin. The beginning and the end. Qui est l'alpha et l'oméga? Who is the alpha and omega? Alléluia. Jesus. Le Dieu tout-puissant. The God Almighty. Frères, sœurs. Brethren. Quel Dieu cherchez-vous encore? Which God are you looking for? Nous sommes dans Ésaïe. We are in the book of Isaiah. Chapitre 42. Chapter 42, verset 8. Verse 8. Je suis l'Éternel. I am the Lord. C'est là mon nom. This is my name. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. And I will not give my glory to another. Ni mon one. Honneur aux idoles. Neither my honor to the idols. Ça c'est Dieu qui le dit, frère. It is God who says this word. Il dit, mon nom est Yahweh. He said, my name is Yahweh. Nous sommes dans Ésaïe 43. We are in the book of Isaiah chapter 43. Nous lisons au verset 11. Verse 11. C'est moi. It's me. Moi qui suis Yahweh. Me who is Lord. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. And apart me, there's no other God. Or Jésus. Savior, Jesus. Et le sauveur des nations. He is the savior of the nations. Le seul sauveur. The only savior. Et Yahweh a dit. And Yahweh says. À part lui, il n'y a pas d'autre sauveur. Apart from him, there's no other savior. Alléluia. Praise God. Il dit ceci. And he said. C'est moi qui vous ai annoncé. I am the one who announced you. Sauvé. Saved you. Prédit. Said it ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. It is not among you a stranger God. Alléluia. Praise God. Verset 13. God. Verse 13. Il dit, je le suis dès le commencement. I am from the beginning. Frères et sœurs. Brethren. Que voulez-vous d'autre? What do you want else? Que voulez-vous d'autre, frère? What do you want? Alléluia. Praise God. Nous sommes dans Ésaïe 44. Isaiah 44. Au verset 6. Verse 6. Ainsi parle Yahweh. This is how speaks roi Yahweh. Roi d'Israël. King of Israel. Et son rédempteur. And his redeemer. L'Éternel des armées. The Lord of armies. Je suis le premier et je suis le dernier. I am the first and the last. Mais c'est lui, Yeshua. And it is Jesus. Il est le premier et le dernier. And he is the first and the last. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. And apart from me, there's no other God. C'est clair, frères et sœurs. This is clear. Verset 8. Verse 8. N'ayez pas peur. Do not fear. Et ne tremblez pas. Do not shake. Ne te l'ai-je pas dit dès longtemps? Haven't I said it before? Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Haven't I announced it before and vous said êtes it? Mes témoins. You are my witnesses. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Is there any other God than il me? N'y a pas d'autre rocher. There is no other rock. Je n'en connais pas. I don't know it. L'Éternel dit. The Lord says. Qu'il ne connaît pas d'autre rocher. He does not know other rock. Il n'y a pas d'autre rocher. There is no other rock. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. In the book of 1 Corinthians 10. Dieu dit. The Lord says. Qu'il n'y a pas d'autre rocher. There is no other rock. Et dans 1 Corinthiens 10. And in the book of 1 Corinthians 10. Voilà ce que la parole nous dit. This is what the Lord says. Alléluia. Praise God. Verset 4. Verse 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. They drank the same spiritual drink. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait. Because they were drinking to a spiritual stone. Et ce rocher était Christ. Them. And this was Christ. Alléluia. Praise God. Dieu dit. God said. Qu'il ne connaît pas d'autre rocher. He doesn't know no other rock. Et si Christ. And if Christ. N'est pas Dieu lui-même. Is not God himself. Si Jésus n'est pas le Père lui-même. If Jesus is not the Father himself. It means that God lied to us. Il ne peut pas y avoir deux rochers. Because there can't be two rocks. Il a dit à Pierre. He said to Peter. Et moi je te dis. I'm telling que you. Que tu es Pierre. You are Peter. Et que sur ce rocher. And upon you this je rock. Je bâtirai mon église. I will build my church. Celui qui te soutient. The one who supports c'est Yahweh. You. It's Jesus. Celui qui est ton fondement. The one who's your c'est Yahweh. Foundation is Jesus. Personne Yahweh. Ne peut te branler. No one can de détruire. No one can destroy you. C'est ça le message. This is the message. Et il revient. And he is coming oh, back. Oh mes amis. My friends. Dieu est trop fort. God is way so strong. Alléluia. Praise God. Fini la religion.
Religion is over. Pour les enfants de Dieu. For the children of God. Fini la confusion. It's over the confusion. Dieu sort son peuple de la religion. God is taking his people from religion. Parce qu'il leur donne la révélation de sa personne. Because he's giving the revelation of himself. Beaucoup de chrétiens qui cherchent Dieu sincèrement. Many Christians who truly seek God. Vont rencontrer le Seigneur. Will meet God. Et ils vont sortir de traditions d'hommes. And they will come out from human traditions. Hallelujah. Praise God. Oh, vous sortirez de ce bâtiment, de ce cimetière. You will come out from these buildings. Pour aller à la rencontre. To go to encounter. De l'époux. Voici l'époux. This is the Voici l'époux. Here comes the bridegroom. C'est ça l'évangile. This is C'est ça le message, this frères is et the sœurs. Message. Jésus revient. Jesus is coming back. Alléluia. Praise God. Voilà, ce soir, je voulais juste vous exhorter. Tonight, I wanted just to urge you. Vous présentez le Dieu véritable. To present you the real God. C'est ça le message, frère. This is the message, brethren. Oh, la dîme, c'est pas ça le oh, message. Oh, tithing, this is not the oh, message. Oh, l'argent, donnez l'argent, vous serez bénis, c'est pas ça le message. Give money, you will be blessed. No, this is frère, not the message. Le retour de Jésus. Brethren, the return of Jesus. C'est le message qu'il faut apporter aujourd'hui. Is the real message that Notre we need to bring to people. Est en train de revenir. Our bridegroom is coming back. Sanctifions-nous. Let's sanctify ourselves. Préparons-nous. Let's get prepared. Il est dit dans Apocalypse 22. It is written in Revelation 22. Verse 17. Et l'esprit. And the spirit. Et l'épouse. And the spouse. Disent, viens. Say, come. Viens. Come. C'est ça le cri. This is the Seigneur, cry. Viens. Lord, come. Nous t'attendons. We are waiting for you. Nous voulons partir avec toi. We want to go with Nous you. Voulons rester avec toi. We want to stay with Nous voulons you. Manger avec toi. We want to eat with Nous you. Voulons te servir au ciel. We want to serve you Nous in voulons heaven. Rester avec toi au ciel. We want to stay with you in heaven. C'est ça l'évangile, frère. This is the gospel, brethren. On nous a trop parlé de la terre. We were told so much about the earth. On nous a trop parlé d'argent. We are so much told about money. On nous a trop parlé des bâtiments d'église. We told so much about the buildings. On nous a trop parlé des apôtres. We are told about apostles. On nous a trop parlé de prophètes. We were told about the prophets. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est Jésus. It's Jesus. Matin, Jésus. In the morning, Jesus. À midi, Jésus. Noon, Jesus. Le soir, Jésus. Nighttime, Jesus. À minuit, Jésus. Midnight, Jesus. Pendant la nuit, Jésus. During the night, Jesus. Lundi, Jésus. Monday, Jesus. Mardi, Jésus. Tuesday, Jesus. Mercredi, Jésus. Wednesday, Jesus. Jeudi, Jésus. Thursday, Jesus. Vendredi, Jésus. Friday, Jesus. Samedi, Jésus. Saturday, Jesus. Dimanche, Jésus. Sunday, Jesus. Janvier, Jésus. January, Jesus. Février, Jésus. February, Jesus. Mars, Jésus. March, Jesus. Avril, Jésus. April, Jesus. Mai, Jésus. May, Jesus. Juin, Jésus. June, Jesus. Juillet, Jésus. July, Jesus. Août, Jésus. Septembre, Jésus. September. Octobre, Jésus. October, Jesus. Novembre, Jésus. November, Jesus. Décembre, Jésus. December, Jesus. Partout, Jésus. Everywhere, C'est Jesus. Ça l'évangile, frère. This Alléluia. Is the gospel, brethren. Il guérit. He heals. Il sauve. He saves. Il restaure. He restores. Il est beau. He is handsome. Il est tout puissant. He is almighty. Il est l'agneau. He is the lamb. Il est le lion. He is the lion. Il est le chemin. He is the way. Il est le parfum. He is the fragrance. Il est le géant. He is Il a great. Vaincu Satan. He defeated Satan. Il a vaincu le diable. He defeated Il a the vaincu devil. Les démons. He defeated the Son demons. Sang est parfait. His blood is Il perfect. Est le lion. He is the lion. Il est la pierre angulaire. He is the cornerstone. Il est le pain de vie. He is the bread of life. Il est l'eau de vie. He is the water Il est le sang précieux. He is the precious. Il est le Par excellence. He is the garment by excellence. Il est tout. He is all. Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. C'est ça l'évangile. This is the gospel. C'est ça le message. This is the message. Alléluia. Praise God. Frère, finis la confusion. It is over. Il est l'apôtre par excellence. He is the Il est la porte des brebis. He is the door for the sheep. Il est l'épée de la parole. He is the sword of life. C'est ça l'évangile. This is the gospel. Revenons à ce message. Let's come back to this Centré message. Sur Jésus. Only centered upon Centré Jesus. Centré sur Christ seul. Focus on Christ alone. Frère, brethren, nous n'avons pas d'autre évangile. We don't have another que gospel. Que l'évangile basé sur Jésus de Nazareth. Than the gospel centered on Jesus Il est l'ange de l'Éternel. He is the angel of Il est the Lord. Le Melchisedec. He is the Melchisedec. Il est le messager de l'alliance nouvelle. He is the messenger of the new covenant. Préparons son chemin. Prepare his way. Le roi des nations est en train de revenir. The king of the nations is coming back. Oh mes amis. My friends. Alléluia, gloire Praise à Dieu. God. Wow. Dieu est trop fort. God is so strong. Je vois une race de jeunes I can see a new race of qui commence à se lever dans la prière. Standing up, praying, rising une in prayer. Race de, dans les nations. A race in the nations. Des hommes et des femmes qu'on ne peut pas corrompre. Of men and women that cannot be corrupted. Ils sont passionnés de Jésus They are de passionated Nazareth. Of Jesus Christ of Nazareth. Ils sont amoureux de Jésus They are de Nazareth. In love of Jesus Christ of Nazareth. Et ils le servent nuit et jour. And they serve him night and day. Dans le jeûne et dans la prière. Fasting and praying. Au nom de Yeshua, In the name of Jesus. Il a changé ma vie. He changed my life. Il change ma vie. He's changing il my life. Il a confondu mes ennemis. He confused my qui enemies. Qui attendaient ma mort. That are waiting for tu me to die. Tu as fermé leur langue. And God just shouted them out. Je ne peux up. Que le servir, frère. I just need to serve oh, him again and again. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. He is the same yesterday, today and Quand forever. Quand je vois ce qui s'est passé tout à l'heure avec la jeunesse. When I see what went
happened with the young people. Tous ces jeunes touchés. All these youth. Je ne peux que bénir mon Dieu. I can only just bless my quand God. Quand je vois l'œuvre qu'il accomplit. When I see what he is doing. Je ne peux que bénir mon Dieu. I can only bless him. Frère, Dieu est trop fort. God is so strong, my brothers. Et son nom, c'est Jésus Christ. And his name is Jesus Christ. Il est Christ. Père, Fils et Saint-Esprit. He is Father, Son and Holy Spirit. Il fait ce qu'il veut. He does whatever he il wants. Est illimitable. On ne peut pas le limiter. We cannot limit him. Alléluia. Praise God. Dieu est magnifique. God is magnificent. Nous avons de plus en plus de frères we have more and more brothers qui sont réveillés. That are awakened. On a un frère aussi ce soir. Bonsoir. We have a brother with us today. On va passer le micro que le Seigneur a touché. That the Lord touched. Ah. Ça. Comment? Ok, oui, oui. Tu voulais te cacher. Il n'y a pas de problème. Que Dieu soit béni. Ok, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Comment vas-tu? How are you? Oh, oui, ça va. Dieu t'a touché. God has touched you. Alléluia. Yes. Le Seigneur est magnifique. God is marvelous. Voilà, donc là, un frère qui était dans la religion. We have a brother that was in religion. Réveillé. That the Lord raised. Et bonne continuation, frère. And continue. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Alléluia. Praise God. Est-ce que vous avez découvert? Est-ce que vous découvrez que Jésus-Christ est le Tout-Puissant? Are you discovering that the God is Almighty? Alléluia. Praise God. Amen, Philippe. C'est fort, en fait. C'est grave. Ce que tu dis, franchement, c'est. En fait, c'est clair. On se rend compte que finalement, dans tous les passages que tu as pris, en fait, tout we est clair. C'est clairement écrit. Jésus est Dieu, il est le Tout-Puissant. En fait, il Jesus est tout is God, pour nos vies, il est tout pour ce monde, il est tout dans le ciel, il est tout world, partout, il est tout. En fait, heaven, c'est grave, franchement. C'est lui le Tout-Puissant. Voilà. Il est the comment ne pas le servir? How can you not serve him? Je ne sais pas si vous voulez nous appeler ce soir. Il n'y a pas de problème. I don't know if you want to call us tonight. Et ce dimanche. This Sunday, nous sommes à Bruxelles. We are going to Brussels. On vous donnera l'adresse sur TV de vie. We'll give you the address later. Ce dimanche, nous sommes à Bruxelles. This Sunday, we're in Brussels. Nous allons recommencer les réunions de prière, de réveil aussi à Bruxelles. We'll start to do the same revival meetings in Brussels again. Alléluia. Amen. Et on va aussi repartir en Allemagne aussi. And we'll go to Germany as well. Londres aussi. London as well. Alléluia. Amen. On va tourner, frère. Ah, ça te fait plaisir. Hein. Alléluia. Praise God. On va repartir dans notre tournée européenne. We will go around Europe. Alléluia, gloire à Dieu. Praise God. Donc je sais que beaucoup prient par rapport à cela. I know that many people are praying. Donc on va faire Belgique, we'll go to Belgium, Londres, London, Allemagne, German, Paris, Paris, n'est-ce pas? Donc tournée comme ça, frères we'll et sœurs. All over Europe. Les gens de Belgique, beaucoup de pasteurs en Belgique ne voulaient plus nous voir. Many pastors in Brussels didn't want to see us. La Belgique ne vous appartient pas. Brussels doesn't belong to you. Nous irons en Belgique. And we will go to et Belgium. Ce dimanche, nous sommes à Bruxelles. And this Sunday we'll be in pour Brussels annoncer le retour du Seigneur. To announce the return of the Messiah. Et les vrais pasteurs qui aiment Jésus and the real pastor who loves ne Jesus peuvent que revenir à la parole. Can only come back to the word. Et ceux qui sont dans la parole, dans le message, and those who are in the qu'ils message, continuent à proclamer la vérité. They continue to proclaim the au truth nom de Yeshua. In the name of Jesus. Frères et sœurs, vous qui êtes du côté de Belgique, brethren who are in Belgium, vous qui êtes en Belgique, who nous serons ce dimanche à Bruxelles. Sunday, j'invite Brussels mes frères et sœurs de Liège, de Mons, à se joindre à nous dans la prière ce dimanche pour prier pour la Belgique. To come with us to pray for Belgium. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh, Dieu est magnifique. God is marvelous. Dieu est glorieux, frère. God is glorious. J'aime le Seigneur. I love him. Nous bénissons Dieu pour l'œuvre qu'il accomplit. And we bless God for all the work that he's doing. Je voudrais ce soir I want tonight dire aussi un grand merci to say a big thank you à l'Assemblée des Saints de Créteil. To the Assembly of the Brothers in Créteil. Les frères et sœurs de l'Assemblée des Saints de Créteil qui nous ont beaucoup encouragés. Who encourages us so much. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Nous voulons encourager les saints de toutes les nations qui prient pour nous. We want to encourage all the saints of que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. May God remember you in the name of Jesus. Allô, bonsoir. Ah, c'est pas quelqu'un qui nous a appelé. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. May God keep you, brethren. Nous vous donnons rendez-vous demain soir sur TV de vie. We give you an appointment tomorrow pour une autre émission sur le retour du Mashiach. Que Dieu bénisse la France. May God bless France. Que Dieu bénisse notre président. May God bless our president. Que Dieu bénisse nos ministres. May God bless our ministers. Les gendarmes, les policiers. Police. Les renseignements généraux, que Dieu vous bénisse. All of them, may God bless you. Que le Dieu que je sers vous bénisse. May the God that I serve bless au nom you de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus Christ que of Dieu Nazareth bénisse les Français de souche. May God bless French, les Européens native, de souche. Europe native. Merci pour vos prières, pour vos encouragements. Thank you for your prayers and encouragement. Que Dieu bénisse aussi les frères du Maghreb. May God
also bless our que Dieu brothers bénisse aussi les frères et sœurs des Antilles, des îles. May God bless also our brothers que Dieu bénisse from nos frères et sœurs d'Afrique. Our brothers from Africa. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. May God bless you in the que Dieu bénisse Jesus. Les frères et sœurs d'Asie. May God bless also our brothers du Canada, from Asia, des États-Unis, Canada, US, de l'Amérique latine. South America. Que Dieu se souvienne de vous. May God remember du côté you. De l'Australie. Australia as well. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Nous vous donnons rendez-vous demain soir. We give you an appointment tomorrow. Nous sommes beaucoup encouragés. We are really encouraged. Nous n'allons pas baisser les bras. We will not give up. Malgré les combats. Regardless of the parce battles. Que Jésus nous encourage. Because Jesus encourages au nom de Yeshua. In the name quand of Jesus. On voit toutes ces conversions. When we see all these conversions. Quand on voit tous ces miracles. When we see all these miracles. Quand on voit la manière dont il ouvre des portes. When we see how he opens doors. Frère, nous ne pouvons que nous encourager. Brethren, we are just encouraged. Tous ensemble, main dans la main, allons de l'avant. All together. Pour la gloire de let's go forward in, for the glory of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Amen. Amen. Soyez fortifiés. À demain soir sur TV de Vie à 20h30. See you tomorrow. Au revoir.